C'est bon, c'est fini? Alors, regardez, il y en a qui me cherchent en bas. Il y a les vilains qui me cherchent. Oh, il y a le gros aussi là-bas. Je peux plus réparer. Ah, il y a plusieurs. Il y a un nombre de réparations limité. C'est vrai. Alors, attendez, donc lui. 9 sur 37. Dégâts, résistance, maniabilité. Amélioration 0 sur 2. Valeur réparation 0. Donc lui, il est bientôt mort. Donc on va le démonter parce qu'au milieu du combat, il va me saouler sinon. Et le marteau de maçon, on va l'améliorer en fait. Quel poulet. Mais quel gros con. Ils me cherchent les autres en bas, ils sont là. Ils m'ont vu. C'est le moment de se casser. Alors, trouver la boîte à chocolat pour sa mère. Ok, allez, let's go. Faut faire attention dans le sol de ce jeu et sur à toute la décoration parce qu'il y a tellement de pièges pour les zombies, il y a tellement de trucs à faire. Non, non, j'ai pas envie de l'objet cheaté du jeu, ça m'intéresse pas. Un aérosol, ça peut être bien pratique ça. Dans une petite île sur le hockey, mais on s'y intéressera plus tard carrément. Le spoil total. Prévu qu'il y ait tout ce monde. Qu'est-ce qu'il fait avec son marteau? Ok. Personne m'a vu, c'est tant mieux. Alors où est le chocolat de maman? Oh oui. Oui, 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 oui. Là. Continue. Allez, rentre là-dedans. Oh, il s'est fait éclater la tête contre le mur. Oh là là, il est tard, il est tard, il est tard. Allez vite qu'on aille finir cette mission.
Alors on rentre dans ce truc. Par où on rentre dans ce truc déjà? Putain, c'est bourré de flics. Attends, mais on a fait cette porte? Bon. Ah, voilà. Oh merde. Bordel de merde, pas maintenant. C'est bon, tout va bien. Charlie, la lettre C. Je l'ai. Ah, ça, c'est les zombies vénères. Allez, on rentre. Ouais, c'est stressant ce genre de... Tiens, monsieur Chozo, comment va-t-il? Bonsoir à toi. Pas au dodo? Bonsoir, en tout cas. Allez, cassos. Tiens, bouffe ça, toi. Oh merde, y'a un nain qui me suit. Il est où? Tiens, prends ça. Ah, ton beau pyjama. T'es magnifique. On va pas te laisser survivre, t'inquiète pas. Oh, allez, esquiver. Oh là 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 là. Oh, c'est Yamakasi. Allez, viens. Allez, viens. Allez, dégage. Hop. Et salut, à demain. Oh merde, y'a un mec qui se fait emmerder là-bas. Faut qu'on y aille. Qu'on aille le sauver. Oh non, je peux pas. Oh, je vais le sauver. Allez, je vais le sauver. Dégage, ça te concerne pas. Aïe. Sans déconner. Oh putain, je me casse. Oh, y'a l'autre en plus. Sans déconner. Au secours! Monsieur Jodo, ça fait longtemps, désolé. 104e mois d'abonnement. Ça fait longtemps, désolé, quelques soucis. Un amendement de niveau 3? Mais mec, t'es un dingue! Mais c'est complètement. C'est hors de prix l'abonnement de niveau 3. Merci beaucoup, monsieur Chozo, pour ta générosité. Ça fait plaisir, merci mec. Bonsoir à toi déjà, encore une fois. Putain, merci. Merci. Ouh, le petit stress là. Quand je me soigne, bordel de merde. Bon allez, vite, on se casse, on a dit qu'on se cassait. Ouais, purée, je vais te mettre des émotes rien que pour toi. Hein. Je vais mettre une émote. Chozo, on verra bien. Pour le tier 3, j'ai quoi, une ou deux émotes. Donc vu qu'il n'y a que toi qui as le tier 3, je vais te mettre une émote pour toi. Déjà, t'as les émotes de tier 2. T'as les deux bras Better Stronger avec la tête du bonhomme de Scrap. Ouais, GG mec, merci beaucoup. T'es une fille encore, hein. Petit bâtard, va. Bah.
Il y a du monde. Il y a du monde par ici. Il y a du monde. Ça va striker. Ah non. Le boulet, je perds trop de vie. Voilà ton film et tes chocolats. Ça fait au moins 2-3 semaines que je suis pas venu. Ah, bah c'est normal. C'est pas grave, mec. Pas de soucis. C'est l'été, il y a le taf, il y a la vie, il y a tout ça, quoi. Bon, je vais devoir passer par le toit. Alors attends, je reviens parce qu'il y a une cargaison. Si je peux aller me la chercher avant tout le monde, ce serait quand même pas mal. Allez, où? Putain, faut que je passe tout le tunnel et que je revienne. Allez, je l'attente. C'est l'heure d'aller au lit, mais... J'ai envie de voir si je peux pas aller la chercher quand même. Avant les mecs de Rice. Allez, endure un peu, endure. Yes. Non. Allez. Allez. Prends, prends tout ça, Juanito. Ah ouais, on va se faire du pognon en rentrant à la maison parce que c'est pas les premières caisses qu'on a. Ouais, je suis content d'être venu les chercher. Ok. J'ai perdu la moitié de ma vie parce que je me suis trompé de chemin, je suis dégoûté. Aïe 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 aïe. Putain, mais c'est par où qu'il faut que j'aille. Ok. Mais vous savez quoi les gars? Je vais faire une pause de 5 minutes parce que j'ai envie d'aller aux toilettes et j'ai pas envie de me retenir. Tout simplement. C'est la vérité. J'arrive. A de suite.
Mais vous savez quoi? On se sent plus léger. On se sent plus léger, les amis. Bon, cette mission, on la termine. Parce que bon, ce serait bien d'aller au lit un jour. Bonne nuit, monsieur Chozo. Des bisous. Monsieur le docteur Chozo. Ah. Putain, moi, il est 2h du mat et j'ai envie d'aller aux toilettes, quoi. C'est fou, ça. Normalement, on fait pas caca la nuit. C'est vrai que je peux pas leur sauter par-dessus encore. Entrez par le toit. On a été là avant d'aller chercher notre paquet. Quel boulet! Faire un abonnement déjà à WWD Lolo, cet utilisateur, offert 104 abonnements à la chaîne, c'est incroyable. Monsieur Chozo, il est pas au lit, il offre encore des abonnements, il est complètement fou. Merci mon cher monsieur, docteur Chozo, des gros bisous à toi, bonne nuit et bon courage pour demain, pour le taf, à très bientôt. À très bientôt, bisous bisous. Ok. Bon, faut que je monte là-dessus, je crois. Je sais pas si je prends le bon chemin. Je peux peut-être passer là. On peut peut-être passer par là. Non mais sérieux? Ça remonte jusqu'à 100 la vie. Pardon. Ah, pardon. Qu'est-ce qui m'arrive? Ça y est, j'ai envie d'aller aux toilettes, j'éternue. Qu'est-ce qui se passe? Non mais oh! Alors est-ce que t'as de l'argent sur toi? Allez, je me fais mal, hein. Merci. Oh mais la vie que je perds. Oh là 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 là. Un HP, ouais, c'est clair qu'on aurait pu y passer. Boulet, 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 boulet.
Boulet. Allez, à nous. Enfin, on va rendre visite à ce fou allié. World Best Mom. Chut, le film a commencé. Maman regarde. Est-ce que maman est contente? Maman est très contente. Casie lui a donné des chocolats et un film. Dans ce cas, je vais te prendre quelques médicaments pour aider mon ami. D'accord. Ah ouais? Merde. Maman ne fait plus de crise depuis que sa tête s'est transformée en citrouille. Ils sont sur la table. Merci, Casie. Casie rend tout le monde content. Merci, Casie, de nous filer tes médicaments. Et ben voilà. Maintenant on se barre. Alors tu me disais qu'on pouvait monter sur un côté de la maison ? J'en ai pas l'impression. Putain, j'arrête pas de prendre des dégâts de chute. Ouais, genre ici là? Non. Non, on pouvait pas, hein. On pouvait pas grimper, fallait passer par le dessus. Non, sous le pont, il y a un accès. Ouais, bon, écoute, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, on rentre. Où est-ce qu'on va? On rentre à la maison, mais il y a d'autres trucs à faire. Il y a fouiller la pharmacie. Et il y a surtout présentez-vous à Race. Et ça, c'est mission annexe aussi. Relier la station du sous-sol. Ah ouais, celle-là, c'est chiante. Ouais, c'est la station de l'Est. On va aller se trimballer jusque-là. Allez, let's go. Et on va s'arrêter là. Une fois qu'on aura fait le chemin. Peut-être qu'on va faire la petite mission vite fait, on va voir. Donc t'as réussi, c'est le principal, exactement. Ah, j'arrive pas à cette compétence, ça me saoule. Mais non, mais c'est pas possible! Fous-moi la paix, toi, la salsa des zombies! Mais c'est pas vrai qu'il me propose pas de faire ce truc de reculer quand même! Mais vous voyez, ça m'énerve! Mais ça a changé, c'est plus dur qu'avant ou quoi? Avant, ça apparaissait tout le temps! Oh, ça me saoule! Je suis obligé de les tuer tous maintenant. Dégage! Qu'est-ce que t'allais faire, toi? J'allais pas pouvoir te choper encore. Allez, tiens.
Boum, le revers et le tout droit. Hop, et on répare. C'est la course acharnée. Boum. Boum, coup de pied au cul. Et donne double tête. Et on mitraille de coups de pied. Et on mitraille, et on mitraille. Et on mitraille. Et on mitraille, et on mitraille. Et on mitraille. Ah. Alors. Ah. Je vais peut-être prendre ça. On va prendre ça. Allez, c'est parti. Parce qu'on n'est pas très robuste, hein, quand même. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Quelle heure il est? Il commence à être tard, je suis sûr, là, voyons. 19h, c'est bientôt la nuit, il va falloir faire gaffe. Hey, viens voir ici. Acheter, vendre. Ok. Boîte de conserve, objet nécessaire. J'en ai moi des boîtes de conserve? Ok, j'ai aucune boîte de conserve. C'est pas grave. Nous, on va lui vendre. Notre vieux marteau de maçon. Ok, et qu'est-ce que t'as acheté? Un marteau de maçon violet, petit couteau exquis. 58 le marteau de maçon, une clé à molette, petit couteau simple. Et matraque, ok. Et des mecs qui me cherchent en bas. Allez, casse. Et là, c'est quoi cette maison rouge? C'est une maison enfermée, ça. On avait déjà tué tout le monde. Ah non, il y en a encore un, je crois. Il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Oh purée, il arrive. Il s'est empalé tout seul, cet idiot. Et ça, c'est quoi déjà? Rencontre aléatoire. On l'a sécurisé, ce truc-là, ou pas? Fermez ça. Je crois que la rencontre a déjà été faite. Ok, ça bug. Bon. Ici Jade, depuis la tour. Il va bientôt faire sombre. Si vous ne pensez pas pouvoir rentrer, trouvez l'abri le plus proche. Bonne chance, les gars. On reviendra.
Lena. Je t'écoute. On a trouvé deux autres flacons d'antisine contrefaite. Brecken est fou de rage. Tu m'étonnes. Comment va Bahir ? Il est stabilisé. Mais si on était arrivé 10 minutes plus tard, il était fichu. Ce truc est mortel, Crane. Ta priorité, c'est de les empêcher de continuer. Compris. Compris. Ok. Allez, on fait cette petite pharmacie vite fait. Il me semble qu'il va y avoir du monde. Non, c'est pas par là. Tento dit que les flacons qu'on utilise ne vont pas. Alors ? Donc, il veut qu'on sorte pour récupérer les flacons vides. Qu'est-ce que je peux faire pour des toi, vrais. Mon il ami Il doit y en avoir des dizaines un peu partout. Super. Je me demande combien on sera. Il paraît que tu vends de l'antisine. Qui t'a dit ça? Ton petit doigt? La même personne qui m'a dit que tu mettais cette saloperie dans de faux flacons. C'est sûr. De la saloperie? Ma formule est 100 fois meilleure que la daube qu'ils larguent dans leur caisse. Non seulement elle soigne, mais elle rend super fort et super rapide. Avec des yeux laser, je pourrais te cramer d'un seul regard si je voulais. Je viens fermer le labo, Bento. Ouais, Youssouf m'avait prévenu que tu nous causerais des ennuis. Et Youssouf avait raison. Et toi, t'es mort. Sans déconner, la visite. Attendez, mais oh! Je t'attends. Allez! Faut que je le tue? Ok. Chopez-le, attrapez-le, utilisez vos pouvoirs, tuez-le. J'en ai pas fini avec toi. Tu vas où? C'est pas terminé. Fais pas ta mijaurée. Allez, viens qu'on en finisse. Mets-en de la charpie. Tu vas où? C'est pas terminé. Faites-lui mal. Ah ouais? Chopez-le. C'est fini pour toi. J'en ai pas fini avec toi. Fais pas ta mijaurée. Oh le bâtard. Allez, viens qu'on en finisse. Ici Jade. Vous n'avez pas encore trouvé d'endroit sûr, c'est maintenant. La nuit est presque là et vous êtes à la limite. Là, tu me mets en pétard. J'en ai pas fini avec toi. Sérieux? Il y en a combien? Apporter le médicament à Lena. Faudrait dire que j'ai déjà tout, tout ramassé. Je sais pas, j'ai pas compris. Je l'ai ramassé le truc? J'ai pas l'impression. Ok, la nuit tombe, quelle heure il est? 20h31. Reste au sol. Coup de tuyau dans ta gueule. Oh putain. Allez dégage, je vais voir là-bas si j'y suis. Et boum. Alors qu'est-ce qui se passe en bas? Ouf. Oh oui. Oh oui, oh oui. Oh le con. Dégage, va par là si j'y suis. Putain, il arrive à me taper quand même. Incroyable. Je peux plus faire de kit de soins, bravo. Je suis à poil. Il fait nu, je suis à poil. Ici Crane. Ouais. Tu peux dire à Brecken que le labo de contrefaçon a fermé. Ouais. Beau travail, Crane. C'est un gros soulagement.
Tu vas bien? Ça va, mais Youssouf les avait prévenus de mon arrivée. Je le craignais. Breken a voulu l'enfermer, mais il avait déjà filé. S'il revient, j'irai lui dire deux mots. Ouais. Je peux stocker des choses. Pas si Nahir le trouve avant toi. Ah, un petit plan. Ok, briquet. Je peux fabriquer des briquets. Ok. Alors, je rentre à la maison maintenant. Comme ça, on aura bouclé la boucle. Ok, c'est plus très loin. Allez, c'est l'heure de se barrer. Et ouais, c'est la nuit. Bon, les amis, on aura bien avancé ce soir. Nice. Ok, cool.